Quel effet ça fait d'avoir enfin le bateau de ses rêves? Ça fait plus de bien que trois gros marins. Je devrais vraiment lever l'ancre à la première heure demain matin, mais je ne sais pas. Je me suis attachée à Kirkwall et à certains de ses habitants. Je vais peut-être rester. Allez. On y go. J'ai où chez Meryl, je vais encore y aller. Peut-être pu y aller plus tôt. Allez, chez Meryl. Non, je vous dis, niveau quête, ouais, il restera 3 quêtes de compagnons. Il restera Ander, Varric et Aveline. Oh, Oak. Entrez. J'étais juste... Je suis folle? Comment? Non, bien sûr que non. Pourquoi le dis-tu? Je pensais que la rue Linholm serait la solution miracle. Que le miroir fonctionnerait et que tout rentrerait dans l'ordre. Mais je continue à voir le visage de Paul en rêve. Tous ceux à qui je tiens me prennent pour un monstre. Ce qu'il est arrivé dans cette grotte, ce n'était pas de votre faute. Paul s'est infligé cette peine tout seul. Je sais, mais c'était à cause de moi. Ou à cause du clan qui lui a bourré le crâne avec toutes ces sales histoires sur moi. Je... Vous avez été si bon avec moi. Un jour, j'essaierai de me faire pardonner, Yesaline. Cette bonne vieille Meryl. En fait, je vais tous les monter en compétences. Fenris. Je sais pas où est-ce que je vais foutre ses points à lui. Allez. Meryl. Magie. Pétrifaction, c'est c'est comment ça s'appelle, c'est l'autre là, Méduse. Extraité, c'est important chez les voleurs. Voilà. Bon, maintenant il y a la quête du coup chez cette bonne vieille Isabella ou pendue. Et après, je vous dis, on va enfin à la potence et on va enfin faire les quêtes principales. Après, je vous dis, là dans les quêtes, comme j'ai dit, hein, les quêtes next, on a quasiment tout fait à part les trois de compagnons là qui va me manquer, c'est-à-dire Ander. Meryl va avec Evelyn. Vous voilà. Bien. Je tenais à vous parler. Ah, vous êtes toujours là. Voilà au moins une constante dans ce monde en perpétuel changement. Quoi? Prêtez-moi de roc ou d'appui et je vous fracasse le crâne. Quoi qu'il en soit, je suis contente de vous voir ici. Ça m'épargne la peine d'avoir à vous chercher. Je tenais à vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour moi. Votre première venue ici, il y a des années, est un cadeau. Vous êtes une bonne amie et une source d'excitation intarissable. Vous savez parler aux femmes. Maintenant que j'ai mon bateau, il va me falloir un nouvel équipage. Et j'aimerais avoir quelqu'un de votre trempe à bord. Quelqu'un sur qui je peux compter et qui me soutient, quoi qu'il arrive. Mais attendez, moi ce que je comprends pas, c'est niveau romance, parce que c'est bizarre, enfin... Genre déjà, il dit ami, frère, ami, MDR. Attendez.
À chaque fois, moi, à chaque fois, je panique avec les romances, les gars. Je panique alors qu'en vrai. Explorer le monde et fuir tout ceci, j'en suis. Vous et moi, à la poursuite de l'horizon, on ne peut rêver meilleur endroit. Je. Oh, désolée. Je ne sais pas ce que je dis. Ah oui, non, ok, si, en fait, c'est normal, j'ai rien dit. Qu'avez-vous à l'esprit ? Je crois que. Je crois que j'ai des sentiments pour vous. Dites-moi simplement, Hawk, si j'ai ma chance avec vous. Ne disiez-vous pas que l'amour, ce n'était pas pour vous ? Je sais ce que j'ai dit. Et je sais pourquoi je l'ai dit. Vous aviez raison. Je n'avais pas peur de l'amour. J'avais peur d'être aimé. Oh, bébou. Je vous attends depuis des années. Merci d'avoir attendu. Ça en valait la peine. Wesh, c'est quoi ce plan de caméra, frère? Eh, frère, je suis dead, c'est quoi ça? Eh, gros, ils se sont pêchés, ils se sont fait un câlin, tu vois les veuches, frère? Mais c'est quoi ça? Wesh, gros. Eh, c'est nimp. Eh, c'est nimp. Eh, j'ai juré, les gars, c'est nimp. C'est quoi ce bordel encore? Oh non, mais qu'est-ce qu'ils ont foutu? Oh là là là. Va faire un mois un visuel sur eux qui s'embrasent, on sait rien. Oh, mais ouais, c'est un bon Hawk. Hein. Il a attendu 3 ans quand même. Hein. Après, je sais pas s'il avait pendant 3 ans parce qu'on me dit qu'il a attendu, mais. Quelqu'un a une preuve des actions de Hawk pendant ces 3 ans. Moi, j'en ai pas au perso, hein, donc bon, après, on peut me dire, ce qu'on veut. Parce qu'il a fait pendant 3 ans. Bon allez l'équipe de choc, on y go. Ma dream team. Ah, la potence, ça y est, la potence, les gars, on va entrer dans la potence pour la première fois. Ça tue en vrai, ça tue. Bon, je sais pas où ça tue en vrai, je dis ça, mais on verra. Parce qu'en vrai, ça va être de la merde. Voilà, faut que je viens ici du. Par contre, ouais, j'ai commencé à vendre des trucs aussi. Hein. Surtout au niveau des armes, et pas à deux mains peut-être aussi. J'aurais dû équiper Zevran, je suis con. Gantelet du héros. Ouais. Je vais vendre quelques trucs, les gars, hein, quand même. Ça me permet de. Ici aussi. Ah, ça me fait déjà un peu un petit 32 places, en vrai ça fait déjà un peu le taf. Ça c'est bien. Voilà, ça fait déjà permet d'avoir de la place comme ça au cas où. Ah, tous les Templiers, gros égos et de merde, ils sont tous deux. Pendant ces périodes difficiles, je vous déconseille de. Les mages ont envoyé des espions dans notre ordre. Les mages ont envoyé des espions dans votre ordre.
évidemment. Je sais que vous avez soutenu le premier enchanteur lorsqu'il s'est élevé contre Mérite. Bien sûr, mec. J'espère que vous saurez prendre la bonne décision au moment de choisir un camp. Bah, ça a l'air, t'inquiète pas, mais toi, je vais peut-être t'inquiéter en fait. Tous les mages sont consignés dans leur quartier. Karas, lui, c'est un facho. Lui, comme Meredith, c'est un facho. Après, Meredith, c'est vrai qu'on la critique, mais avec les Kunari, elle a bien aidé quand même, tu vois. Après, Après, tu sais pas, tu vois. Peut-être à un moment, elle est bien, mais à un autre moment, elle va nous la mettre à l'envers. C'est jamais, tu vois. Enfin, je sais pas, en plus, elle a l'air. Moi, vous savez, ce qui me dérange aussi là-dedans, c'est le totalitarisme. Parce qu'on se rapproche quand même d'une dictature. Hein, avec les Templiers qui dirigent tout, qui dirigent la ville, etc. Franchement, c'est compliqué, hein. Enfin. Ouais, il est frise que le jeu il a, c'est chaud quand même. T'imagines le jeu est sorti à 13 ans, il est toujours pas optimisé, c'est effrayant. Héros, il semblerait que votre ascension n'ait fait que vous éloigner des Templiers. Mais vous pourriez sans doute voir le chevalier capitaine directement si vous le souhaitiez. Que voulez-vous de moi? On raconte partout que le chevalier capitaine a perdu l'esprit. Vous la soutenez quand même? On lui en demande trop. Il faut un tempérament d'acier pour survivre au poste qu'elle occupe. J'ai déjà vu la folie dans les yeux d'Uldred quand toute trace d'humanité les avait désertés. Le chevalier capitaine n'en est pas encore là. Inutile de vous demander d'où proviennent ces rumeurs. J'ai des mages, je pense. Si la guerre contre les mages éclate, quel camp la grande prêtresse choisira-t-elle, à votre avis? Sa foi et son devoir lui imposent de soutenir les Templiers. Nous avons autorité sur les mages en vertu du droit divin. Cependant, son imposture est d'une rare cruauté. Pourquoi leur faire croire que leur rébellion a une chance d'aboutir? Bah, elle fait croire ça, elle t'igne. Bah, je pensais pas avoir compris ça comme ça, mais... Je voulais juste prendre des nouvelles d'un vieil ami en ces temps difficiles. Après les événements de Ferelden, je me suis juré de ne plus jamais mettre en doute les desseins de l'ordre. Mais j'ai de plus en plus de mal à savoir si je sers les Templiers ou seulement le chevalier capitaine. Il se peut que le temps où il ne faisait qu'un soit révolu. Ouais, après, ouais. Bah, c'est vrai que c'est compliqué. Après, tu vois, d'un côté... Tu peux te dire en mode ouais, mais c'est parce que les mages ils sont en train de partir en couille, etc. Certes, après faut pas oublier quand même que tu as t'es un chevalier capitaine qui est super extrémiste, qui laisse très peu de liberté aux mages. Après, de l'autre côté, faut comprendre que t'as aussi beaucoup de maléficiens. Je pense que c'est plus dans la norme que dans Tucker Call. Mais vous voyez, c'est un peu un cercle vicieux aussi. Hein. Je pense que t'es restrictif avec les mages. Plus ils ont envie de péter les plombs. Et tu vois, d'un certain côté, je pense que c'est pas quelque chose à négliger non plus, tu vois. Je pense que ça joue aussi. Ah merde, c'est là-bas l'entrée de la potence. Moi, je sais pas, j'ai jamais été. Hein. À chaque fois, on voit devant, mais à l'intérieur, j'ai jamais fait. Donc, moi, je sais pas, gros. Moi, j'en sais rien, frère. Et moi, tu sais, on dit des trucs, mais moi, je sais pas, gros. On me dit potence, ouais, bah potence. Bah potence, gros. Heureusement, ils ont perdu personne depuis le début du jeu. Du moins, je l'espère. Après, je suis pas au courant de tout non plus. Mais de ce que j'ai. Préparez-vous à découvrir la potence, les gars. Frère, cette histoire. Le premier enchanteur joue avec le feu. Dans votre propre intérêt, je vous suggère de ne pas lui venir en aide. Fais TDR, tu veux faire quoi, mec? Tu vas rien faire, gros. Tu vas rien faire. Non mais, je te le dis, tu vas rien faire, mec. Tu vas rester à ta place gentiment et tu vas fermer ta gueule. Bon, tout est fermé, je vais aller là. Tu vas juste fermer ta gueule, gros, c'est tout ce qui va se passer. Ah bah tiens, Orsino. Kirkwall traverse une période difficile. Attends, en face, c'est le bureau de Meredith. Ah, les deux, ils ont les bureaux face à face. Eh, hey, mais ça me bute, ça. Ils en ont rien à foutre, les mecs. Hein. Bon, Varek. On va piller chez les Templiers, chez les mages. On s'en bat les couilles. Oh, ils ont un petit jardin. Ah, mais ça tue en vrai. Elsa. Le chevalier
Bah après tu vas me dire ça tue. Mais en vrai ça tue, frère, ils sont enfermés donc ils ont un petit jardin, c'est mignon, mais bon. Bienvenue, héros. C'est toujours un plaisir. Si je puis me permettre, cette tenue vous sied à ravir. Sachez, héros, que je ne porte pas cette armure pour son style. Mmh. La flagornerie est trop belle pour être fortuite. La flagornerie est vaine. Je ne suis pas là pour me faire des amis. Un incident a éclaté à la potence. Bon nombre de phylactères ont été détruits et plusieurs mages en ont profité pour se faire la belle. La plupart des fugitifs ont été retrouvés, mais j'attends de vous que vous nous aidiez à traquer les trois derniers. Comment les phylactères ont-ils pu être détruits ? Au cours d'une insurrection. Une poignée de mes propres templiers ont orchestré l'évasion, probablement par sympathie envers les mages. Ils ont manqué à leur devoir et ont fait courir un grave danger aux autres et à la cité. Par chance, la plupart des évadés sont allés trouver refuge auprès de leur famille et n'ont pas offert de résistance. Seuls trois d'entre eux courent encore. Avec eux, la tâche est plus difficile. Vous faites appel à moi. Dois-je en déduire que vos templiers ont déjà tous disparu ? Les apostats ont trouvé refuge auprès de leur famille. Les langues ont un peu de mal à se délier face aux templiers, mais face à vous, ce sera différent. Les habitants de Kirkwall ont confiance en vous, héros. Ils seront plus honnêtes avec vous qu'avec nous. Ouais. Après, c'est vrai que... En fait, je sais pas, tu vois, parce que d'un côté, c'est vrai que c'est un peu... Bah, c'est de la place, ça m'implique dans la politique du truc, tu vois. Là, en fait, le fait de faire ça, bah, ça me... C'est compliqué, tu vois. Je ne vais pas faire votre travail à votre place. Vous avez bien une sœur dans le cercle des mages, n'est-ce pas ? Bethany, c'est ça ? Ma sœur s'appelle Mitch. Elle est restée vivre à Ferelden. Votre sœur est un mage exemplaire. Si je la cite, c'est pour montrer que je ne mets pas tous les individus de cette race dans le même panier. Cette race, je te dis. Non. Il est des chiens qui acceptent volontiers d'être tenus en laisse. D'autres, en revanche, se rappellent que ce sont des loups. Nous chassons aussi les loups quand ils représentent une menace. Si les fugitifs venaient à mettre la cité en danger, les habitants se braqueraient contre le cercle, ce qui affecterait irrémédiablement votre sœur. Parlez aux familles de ces mages. Vous jugerez s'ils doivent être capturés ou non par vous-même. Vous n'avez pas peur de ce que je pourrais faire ? Je suis sûr que vous prendrez les bonnes décisions. Vous réprouvez mes méthodes, mais vous changerez peut-être d'avis lorsque vous serez vous-même confronté à la violence des apostats. Je n'en ai mon équipe déjà, tu sais. Quel argument faut-il avancer pour que vous changiez d'avis ? Adressez-vous à Elsa, mon assistante. Elle pourra vous dire tout ce que vous voulez savoir sur les fugitifs. Bonne continuation, héros. Ouais. Bonjour, héros de Kirkwall. Putain, le chevalier capitaine Meredith m'a informé que vous alliez traquer les apostats au nom des Templiers. Putain, elle a plus d'âme, les mecs. Huon, Emile et Evelina. Pourquoi Meredith a-t-elle une assistante apaisée ? Parce qu'elle aime à afficher ce qu'elle est capable de faire aux mages aux yeux de tous. Elle aime nous couvrir d'opprobre. Le chevalier capitaine pense que les mages apaisés sont efficaces et tenaces. Putain. Personnellement, je suis quelqu'un de très organisé. Ouais, mais t'es un légume, quoi. Ces apostats, ce sont des mages du sang ? C'est ce que soupçonne le chevalier capitaine, en effet. Mais en est-elle sûre ? Ah oui, on a annoncé le aussi. Le chevalier capitaine, tous les apostats pratiquent la magie du sang. Ah oui, voilà. La théorie est « mieux vaut prévenir que guérir ». J'aimerais en savoir plus sur Huon. Huon est un elfe. Il a été appréhendé dans le bas-cloître il y a 10 ans. Sa femme Nissa travaille pour une couturière dans la basse ville. Les Templiers lui ont déjà rendu visite ? Oui. Nissa dit qu'elle n'a pas vu son mari depuis qu'il est entré dans le cercle, et elle n'en démord pas.
Huon pourrait-il se cacher avec les autres elfes dans le bas-cloître ? L'enquête des Templiers n'a rien donné. Ils en ont conclu que très peu d'elfes seraient susceptibles de le cacher. Là, je pars de rien, quoi. Huon a été arrêté voilà de nombreuses années. La plupart des habitants du bas-cloître ignorent jusqu'à son nom. Parlez-moi un peu d'Émile. Le deuxième apostat s'appelle Émile de Lancey. Ah oui, c'est un noble. Fils du comte de Lancey. Les membres parmi les plus fins et bruyants de notre noblesse. Ils rentrent chez eux le soir dans la haute ville après quelques plaintes déposées. Qu'ont-ils dit aux Templiers ? Le comte et la comtesse affirment tous deux qu'ils n'ont pas revu Émile depuis son enfance. Que savez-vous des de Lancey ? Le comte Guillaume de Lancey est un noble mineur d'Orlaïs. Sa femme et lui sont arrivés au marche libre il y a 30 ans. C'est quoi, c'est un ambassadeur un peu ? Émile est né à Kirkwall et a été envoyé au cercle à l'âge de 6 ans. Putain, les pauvres. Pouvez-vous m'en dire plus à propos d'Evelina ? Evelina a reçu une formation de 8 ans au cercle de Ferelden. Oh. La dernière fois qu'elle a été vue, c'était dans son ancienne demeure parmi la communauté de réfugiés de la basse ville. Comment diable a-t-elle atterri à Kirkwall ? Evelina affirme qu'elle a fui l'enclin, pas le cercle. Ah oui. À son arrivée, aussi, hein. Elle s'est présentée au premier enchanteur et a demandé à intégrer le cercle. Ah voilà, tu vois. Elle n'a pas l'air d'une fugitive. Autre chose ? Nos registres indiquent qu'elle a demandé à Meredith une subvention pour aider les enfants ayant survécu à l'enclin. Une fille de meuf bien, quoi. Les Templiers l'ont-ils cherché à Sombre Rue ? Oui, ils l'ont traqué, mais elle a réussi à tuer plusieurs de ses assaillants. Pour les Templiers, de tous les apostats, c'est elle la plus dangereuse. Les Templiers l'ont... Oui, ils l'ont traqué. J'ai toutes les informations dont j'ai besoin pour le moment. Bonne chance dans vos recherches, héros de Kirkwall. Bah merci meuf, hein, écoute. Écoute. Le comte de Lancey... Ok, bon. Donc, faut qu'on cherche les trois mecs. Ok. Allez, on s'arrache, l'équipe. On s'arrache. Non, du coup, il y a basse ville, haute ville et son beau rub. En fait, tu trouves trois des grosses zones, quoi. Les trois gros. Enfin, les plus grosses zones si t'enlèves les docks. Et sinon, ouais, les plus grandes zones. Ce bon vieux chevalier sous capitaine Cullen. À l'ancienne, hein. Comme je vous l'ai dit, c'est le gars dans la tour des mages, à la fin de la tour des mages, qui est dans sa bulle. Ah, il est vraiment premier degré. Quand il est dans sa bulle, il est vraiment dans sa bulle. C'est pas en mode il est dans sa bulle, c'est un ouf. Non, il est vraiment dans sa bulle. À la fin de la quête du cercle des mages, quand tu es en haut, il est dans une bulle avant qu'on affronte Uldred. Alors, Dragon Age Origins. Encore un perso Dragon Age Origins. Ça fait plaisir de ouf. Allez, on y go, l'équipe. La basse ville. Une zone tapeur. Avec le pendu. Parce que c'est quand même dans cet état-là que tu finis après être sorti du bar. Ma fumée, la justification d'Isabelle à l'autre coup. Pourquoi il y a un pendu ? Ah, bah c'est parce que c'est comme ça que du Zor à la fin du bar. Allez, là, je l'avais pas vu. Oh, salutations. Ma maîtresse est absente. Elle est allée rendre visite à un client. Elle ne devrait pas tarder. Que puis-je faire pour vous aider ? Parlez-moi un peu de votre mari, Huon. Voilà qui sera encore mieux. Lorsque les Templiers sont arrivés, je leur ai dit que je n'avais pas vu Huon depuis 10 ans. Huon. C'est la vérité. Après leur départ, Huon. Il est venu me voir. Il voulait que je le cache. J'ai souvent rêvé de son retour, mais pas ainsi. Il a changé, je ne le reconnais plus. Je l'ai prié de partir. En quoi Huon avait changé ? Il n'avait qu'une idée en tête, révéler le pouvoir elfique de chacun de nous. Il m'a fait peur. Vous a-t-il fait du mal ? Oui, au cœur. Ah, ouais. Il me l'a brisé. C'est triste. La pauvre. A-t-il eu recours à la magie ? La magie du sang, peut-être. Elle saurait la reconnaître ? Je l'ignore. Je ne crois pas. Pas sur moi, en tout cas.
Donc, vous ne l'aviez pas vu depuis son départ. Huon ne m'a pas quitté. Il était pris ailleurs. Lorsque les Templiers ont appris que c'était un mage, ils l'ont enchaîné et l'ont traîné hors du bas cloître, devant tout le monde. Maintenant, me voilà prisonnière de cette imposture. Mariée, mais sans mari. La ouais. vie devant moi, mais sans avenir. Savez-vous où est parti Huon après l'avoir renvoyé ? Je l'ignore. Il a disparu. Mais Huon a dit qu'il reviendrait me chercher pour que nous partions loin, à jamais. Il était dépendant. Il n'agissait que dans son intérêt. Je ne comprends pas ses propos, et une simple pensée pour lui me fait trembler de peur. Seriez-vous plus sereine si je revenais ? Je m'assurerai ainsi que vous allez bien. Je vous en serai extrêmement reconnaissante. Huon a dit qu'il irait au bas cloître bientôt, à la tombée de la nuit. Allez-vous l'arrêter ? Je pense qu'il a besoin d'aide. Je vois ce que je peux faire. Le cercle réussira peut-être à apaiser sa souffrance, quelle qu'elle soit. Je verrai ce que je peux faire. Je verrai ce que je peux faire. On va aller loin, on va revenir. Pour affronter l'elfe. Mage du sang apparemment du coup. Enfin, elle m'a dit qu'elle savait pas trop. Après, on sait jamais, tu vois, tu te dis bon peut-être qu'il y a un mage du sang. Tu peux jamais être sûr. Après il y aura une sombre rune à Odile. Oula, il est effrayant, frère. Huon ? Wesh. C'est quoi cette dégaine ? Doucement, mon amour. Ne craignez rien. Votre sang fera renaître la vie dans les veines de notre peuple. Wesh ! C'est un malade ce mec-là. Elle était si belle. Un jour, j'aimerais passer une semaine sans rencontrer un mage à moitié fou. Pas grand-chose, une semaine. Je suis un devin. J'ai vu notre destin. Je sais quel sort attend les elfes. Si les humains nous oppriment, c'est qu'ils redoutent la magie qui est en nous. Regardez la magie que Missa gardait en elle. Elle la craignait trop pour s'en servir. Qu'est-ce qu'ils ont, les elfes, avec la magie du sang ? Salta Meryl aussi. Oui, oui, oui. Putain, Varric, il est encore mort! Ah, mais frère! Ah, t'es vraiment un paillasson! C'est un truc de taré! Non, tu m'as fumé, ok. Il a dit, est-ce que je peux rencontrer une fois dans ma vie, faire une semaine sans avoir un putain de mage à moitié fou? C'est possible ou pas? Non, mais mec, il a tué sa meuf comme ça, genre. Tu vois, il y a la dégaine dès le début de la séquence. Tu te dis, putain, lui, il est bizarre. Hein. Il a vraiment un souci, le mec, genre. C'est bon, bah j'en ai un. Maintenant, on va aller à l'autre ville, les gars. Pas de sombre ruche, je sais pas, on va voir. En tous les cas, faut faire les deux. Travailleur asservi, si c'est pas ça.
combattant asservi. Putain gros, il y a la terre entière qui débarque. Eh hey, mais laissez-moi respirer hein. Eh hey, je me promène une seule fois dans la base ville gros. Eh hey, j'ai le droit à toute la l'artillerie frère. Hey, tout le monde qui vient. Eh hey, c'est un événement hein. Eh hey, y a le héros de Kirkwall qui est dans la base ville de nuit, et t'inquiète pas que tout le monde sort. Hein. Ah ouais non mais... Et au bout d'un moment, c'est bon quoi, non, je sais pas. Mais non mais pour de vrai, laissez-moi respirer. Assez vu. Je suis assez d'accord en mode. Ils sont 20 000 les chiens. Aime-le, regarde tout ce qui reste. Pouf, on est arrivé, hein. Bon, y'a plus personne. Bah, y'en a encore un. C'est bon. Je vais me casser les couilles maintenant. On va à la sombre rue, les gars. Cette bonne vieille sombre rue. Deux jours, ouais. En fuite. En fuite. T'as l'âge des bâillements qui débarquent. Ça va, elle est à côté de l'entrée. Tu es un peu jeune pour un mage du sang, et je croyais qu'Evelina était le nom d'une fille. C'est pas moi, Evelina. Je suis Walter. Evelina était notre amie, notre mère. Ta mère ou ton amie, parce que c'est pas pareil. Nous avons trouvé à la mort de nos parents, lorsque les anges sont débarqués. C'est grâce à elle que nous sommes arrivés à Kirkwall sain et sauf. Elle me manque. Mais quand elle a voulu rejoindre le cercle ici, ils l'ont traitée d'apostat, parce qu'elle avait quitté la tour de Ferelden. Alors ils l'ont enfermée. Vous venez de Ferelden ? Oui. Avant d'arriver ici, je croyais qu'on était les seuls survivants. Et vous n'avez pas d'autre famille ? Tout le monde est mort lors de l'enclin. Evelina nous a récupérés, nous, les enfants. Chaque jour, elle en sauvait de nouveaux. Les Templiers savent que vous êtes ici ? Ils s'en fichent. Tout ce qu'ils veulent, c'est Evelina. Ouais, c'est pas fou. Mais... Elle ne voulait pas rester avec vous, libre. Elle ne voulait pas qu'on reste coincé à Sombre Rue. Elle voulait nous offrir une vraie vie. Elle croyait que le cercle l'aiderait, mais ils n'ont fait que l'enfermer. Si tu me dis où est Evelina, je ferai tout pour l'aider, je le jure. Personne ne peut l'aider. Depuis qu'elle a vu les Templiers, Evelina est très en colère. C'est pas sa faute. Elle a eu honte quand ça s'est fini. Elle est partie se cacher dans les tunnels. La ferme, Criquet. Faut pas leur dire ça. Criquet. Wesh. C'est quoi ce boulasse, frère? Vous pouvez pas aller là-bas. Quand elle l'apprendra, elle nous grondera. Criquet. Nous gronder? J'aime pas quand elle nous gronde. Nous devons nous cacher. Criquet. Eh, Criquet, reviens ici. Crac, crac, crac. Je sais pas comment. Je sais pas imiter un criquet, les gars, mais. Criquet, viens ici. Allez, en fuite. Viens ici, Evelina. Criquet m'a dit, m'a balancé ta cachette.
Allez, James Nandez, bon vieux criquet. Criquet, il m'a tout dit. Criquet, il m'a vraiment tout dit. Il a pas oublié une info, criquet. Putain, il commence à me casser les couilles. Toujours les mêmes zones, toujours les mêmes ennemis. Oh, je vais péter un plomb. Je fais ma crise existentielle Dragon Age 2, les gars, ça y est. Je suis en plein dedans. Je suis en plein dedans. Ah non, mais gros. Dans ce jeu, c'est toujours les mêmes ennemis, toujours les mêmes zones. Ouais, j'ai pété un plomb à force. Hein. Elle est où Evelina? Il y a des démons, mais elle, je sais pas où elle est. Evelina! Evelina! T'es où? Evelina! C'est le mec. Putain, mais frère, encore 20 000 ennemis qui réapparaissent. Je vais faire un bon. Envie de tout casser au bout d'un moment. Putain, j'ai pas eu ma vie. Oh merde. Putain, y'a encore un ennemi qui repop. Ça y est, gros. C'est bon au bout d'un moment, frère. Ok, carré. Carré, 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 on y va. Ils ont laissé des petites surprises. Ah, merci, Varik. Pour une fois, tu me les as dit. C'est bien. J'avoue que l'image. C'est mieux pour eux de tomber sur moi que de tomber sur les Templiers. Enfin, ça dépend de leur intention, tu vois. Mais c'est vraiment des gros psychopathes. Bah, tomber sur les Templiers, c'est peut-être mieux pour eux parce qu'ils ont plus de chances de s'en sortir. Je me suis dit que si on la prévenait, elle se fâcherait pas trop. Walter. Mais elle arrive. Fuyez. Ça daronne, gros, et il fuit quand elle arrive. Voilà, mes petits. Ne t'enfuis pas, Walter. Spécial quand même. Tu connais les règles. C'est marrant. Chez moi, on nous a toujours incité à fuir les furies. Ce sont mes enfants. C'est vous et ceux de votre race qui les avez abandonnés. Vous êtes un fer eldien, comme nous. Mais vous vous baffrez de sucreries quand vos compatriotes meurent de faim dans les bas-fonds. Soyez maudits, sales traîtres, ainsi que les satanés templiers qui vous ont envoyés. Kirkwall devrait être mienne. Mes enfants auraient alors une ville pour terrain de jeu. Ah ouais, mais là c'est carrément transformé en abomination la gonze, hein, par contre. On est d'accord, quand tu transformes en abomination, c'est terminé, genre. Enfin, tu restes comme ça tout le temps. Ah non, mais en vrai, c'est pas ça. Pour moi, si. Hein. Genre, c'est irréversible le stade d'abomination. Enfin, je pense. Après, il y a carrément un monde où j'ai de la merde, mais il me semble que c'est irréversible. Yeah.
ne comprends pas. Evelina nous aime. Elle nous a sauvés. Pourquoi elle nous traite ainsi? Ah, elle est partie en couille. Hein. Elle est devenue hystérique. N'importe qui le deviendrait en gardant 10 enfants. Casse-t-il en possédé par un démon. Il n'y avait nul besoin de la tuer. Il devait y avoir une alternative. Ah, je vois pas. Cela ne changera rien. Les Templiers nous forcent la main. Ils nous font prendre des mesures drastiques au nom de leur seule liberté. Comme l'a fait Evelina. Tout à fait. C'est juste que... j'ignore ce qu'il faut faire maintenant. Tiens, prends ça. Utilise-le avec sagesse. Merci, Messera. Je vais acheter à manger pour les autres. Voilà trop longtemps qu'ils n'ont rien eu à se mettre sous la dent. Ah oui, 5 d'or quand même. Il va pouvoir faire des trucs avec ça. Non, mais ouais, mais après, de toute façon, tu vois, non, c'est bien de les aider, etc. Après, la meuf, je sais pas, là, elle est à la vriller. Bon. Comme beaucoup de mages, en vrai, tu vois. Et c'est pour ça que, d'un côté, le contrôle des mages, tu vas avoir du mal à vraiment le contester. Parce que même un mage qui avait l'air sympa, tu sais, qui a aidé des gens à faire notre grand clan et tout, bah, au final, elle peut partir en couille comme les autres. Et c'est ça le souci, hein. C'est le souci. Donc, malheureusement. Ah, tu comprends un peu les Templiers quand je vois des trucs comme ça. Tu vois les dommages qu'on vient de voir. Bon, le moins, elle a tué personne, mais bon. L'autre, elle a tué sa femme et tout. Enfin, c'est tombé, gros. C'est un sketch, le bazar. C'est Xavier Dupont de Ligonnès, le mec, gros. Et qui revient chez sa femme, et puis. Puis il nique tout. Ah non, mais. Bon allez, maintenant la haute ville de nuit, les gars. Le troisième, last one. Le last one. Je vous dis, après cette quête là, il en restera une peu principale. Et après ça sera fini, ça sera la quête de fin de game. Vraiment en plus. Donc, pour vous dire qu'on se rapproche beaucoup de la fin. Plus. Voilà, ouais, manoir de lancer. Manoir de lancer. C'est bizarre qu'on y aille de nuit, tu vois. Y'a Anguille sous roche. Y'a Anguille sous roche. Bonsoir, madame la comtesse. Oh, le héros, n'est-ce pas merveilleux? Vous faites honneur à notre maison. Je vais demander à ce que l'on nous apporte des rafraîchissements. Talia? Oh, cette fille est d'une mollesse consternante. Venez, discutons un peu en attendant. Je vous trouve bien guillerette pour une mère dont le fils est recherché par les Templiers. Notre petit Émile? Oh oui, les Templiers nous ont demandé de ses nouvelles il y a peu. Le petit Émile. Je n'ai pas revu Émile depuis qu'il est entré dans le cercle. Il avait 6 ans. Dites aux Templiers de ne pas s'inquiéter. Je suis sûre qu'Émile se rendra très bientôt. C'est un brave garçon. Dulcé, qu'avez-vous fait? Pourquoi ne pas avoir semé notre fils de s'en remettre au bon vouloir des Templiers? Guillaume, mon cher... Il n'y a pas de mon cher qui tienne, Dulcie. Il raconte à qui veut l'entendre qu'il est notre fils, que vous lui avez donné de l'or. Guillaume, très cher, nous avons des invités, voyons. Ben n'importe qui, en plus. Faites comme si je n'étais pas là. Tout cela est passionnant. Loin de moi l'idée de vous mentir, héros. Je n'ai vu Émile qu'en coup de vent. Je n'imaginais pas que cela aurait une quelconque importance. Je lui ai donné un peu d'argent. Oh, pas grand-chose. Il m'a assuré vouloir prendre un nouveau départ. Un nouveau départ? Dans les tavernes de la basse ville à s'enivrer d'infâmes piquettes, oui. Que les Templiers ne lui aient pas encore mis la main dessus relève du miracle. Aidez-nous, héros. Je vous en supplie. Émile n'est pas un mage du sang, c'est un idiot. Ne laissez pas les Templiers le tuer. Un mage du sang? Oh, Guillaume, taisez dans ces horreurs. Mais la discussion n'était pas injustement. Je vous en prie. Si
S'il y a un moyen de sauver Emile, je le trouverai. Merci, Hero. Une connaissance dit l'avoir aperçu à l'auberge du Pendu récemment. Oh, tiens. Il doit y être encore. L'auberge du Pendu ? Oh, mais cet endroit est répugnant. C'est le QG. C'est le QG. Venez, Dulcie. Vous devriez vous reposer. L'auberge du Pendu. Oh, l'auberge du Pendu. Mais cet endroit est vraiment répugnant. Sacré Orlésien. Tous les mêmes. Ces Orlésiens. Aujourd'hui, ça me fume parce que tu vois, si le mec est recherché, il se promène dans, il passe dans une case, dans une taverne. Ah, tu te doutes que c'est pas ouf quoi, genre bon. T'es recherché, tu passes dans une taverne gros. Laissez-moi deviner, c'est votre dernier mot. Trois mages se sont réfugiés à Ferelden et vous êtes intervenu pour les protéger, comme si vous en aviez le droit. Quelle réponse attendiez-vous, votre majesté? Un peut-être aurait fait l'affaire. Je n'ai que faire des peut-être. Je m'intéresse aux faits. Et vous devriez faire de même. Peut-être le prochain monarque qui régnera sur Ferelden prendra-t-il au sérieux son devoir envers le Créateur. T'as comme elle parle au roi. Eh ben, il y a de l'ambiance. That she down to hold the gun for me. I ain't tryna break her heart, told her run for me. When she need dick, she gon' come for me. I like being by myself, to be honest, I ain't gon' lie. I do enjoy your company. Close to the edge, if I jump, I know she gon' jump with me.